Bonsoir, je suis compétente, je vous souviens à l'Inda. Bonsoir, moi c'est Mikana Nathalie Stabetti. Je me nomme Mbomem Pako Liliane Nadej. J'ai 22 ans, je suis étudiante à l'École supérieure des sciences et des études. Je suis originaire du centre. La formation de l'Université de Yaoundé, j'ai décidé de participer. Mannequin, je participe à l'émission Miss Néron. J'ai constamment sur les réseaux sociaux, disons pour laquelle j'ai voulu participer. Et j'espère aller en finale. Merci. Bonsoir à toi, je suis le nom de Bézard, de l'intervention du temps. Alors je suis ici aujourd'hui pour être sur la coordinatrice de l'ENIS pour le concours élection de Miss Néron 2016. Pour pouvoir être lancé il y a quelques semaines sur le thème. Et ensuite il y aura la demi-finale. Nous sommes là pour le cadre déjà pour encourager les jeunes filles à être belles, se sentir à l'aise dans ce qu'elles font. Et cela nous avons aussi comme partenaire chez Nes dans ce concours. Nous avons une invitation pour les Miss qui seront divisées entre les gagnants. Nous espérons vraiment que cela va se passer. Dans un bon sens, dans un bon cadre, que tout le monde pourra bien s'amuser. Est-ce qu'on peut applaudir un maximum de voix? Ouais, c'est comme ça que je vous aime. Voici le numéro 1, premier passage, en tenue de ville, Didier Kaiser. Let's go! En tenue de ville! Let's go!
Qui nous prennent seulement maintenant. Je vais essayer encore vous rappeler que nous sommes dans un concours de beauté. Nous sommes au deuxième primes. Ça veut dire que nous sommes au deuxième casting de celle qui va nous donner son visage à la Miss Mermoz Jipo Chanel 2016. C'est un concours de beauté. On va bien sûr se retourner cette fois-ci vers une personne qui est très plébiscitée sur les médias. Une personne qui a bien sûr du métier. On se retourne vers notre présentatrice de Kinox Télévision, Princesse, bonsoir et bienvenue au Mermoz. Premières impressions. Bonsoir. Déjà, je suis très contente d'être là, mais mes impressions ne sont pas du tout bonnes. Parce qu'au niveau des filles, lorsqu'on parle de tenue de ville, on n'a pas dit de se dénuder. Je suis désolée. Parce que tout à l'heure, elles vont être très fâchées contre nous sur les notations. Mais j'oublie quelque chose. La femme, lorsqu'on parle de tenue de ville, ça veut dire tenue de bureau, ça veut dire une tenue présentable. Je suis déçue, je n'ai vu aucune tenue de ville sur les 14 tours. Et ce qu'il faut parler du make-up, je suis encore désolée, parce qu'aujourd'hui, la femme doit mettre le niveau haut. Lorsqu'on parle de maquillage et du côté esthétique. Du côté esthétique, je n'ai rien vu. Donc il fallait mettre une note, tout à l'heure on va y revenir. Vraiment, en esthétique, je mettrai une note de 0 sur 20. Parce que les filles n'ont fait aucun effort. Une femme doit marcher avec ses produits de maquillage. Lorsqu'elle ne connaît pas la moindre des choses, on a Internet. Donc franchement, les filles, tout à l'heure, nous allons encore être plus rudes, parce que vous venez en maillot de bain. Une femme qui vient se présenter en maillot de bain doit être normalement épilée, propre. Donc si vous savez que vous ne l'êtes pas, ok, d'accord. D'accord, parce que vous l'avez vu, je vous en prie. C'est de très belles remarques. D'ailleurs, elle est professionnelle dans le domaine. Merci encore pour ce coup de gueule enrichissant. C'est la vie. La vie d'ensuite. Nous restons sur un événementiel, Gladys Bessus, ton petit mot sur ce premier passage ma puce. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, nous vous remercions d'être là. Comme disait Alfred tout à l'heure, moi aussi je suis déçu. Par rapport à la vie de ma fille, je constate qu'elles n'ont pas fait d'effort par rapport au métrope. Mais je me dis, elles ont encore de la chance, peut-être elles ont des surprises qu'elles vont nous réserver tout à l'heure. Donc je les souhaite juste bonne chance. Ok, merci Gladys pour ton mot. Alors, passons plutôt dans le deuxième passage. On invite par ici, sur ce plancher, sur cette faute du projecteur, le numéro 1. Thank you.
Bikini. Let's go. Candidate numéro 11.
de côté, Miss Verbo, Chiffre Chenin, 2016, candidat numéro 12. Let's go! Mesdames et messieurs, on va passer la parole cette fois-ci à mon cher Fred, conseiller vestimentaire, il nous vient de Paris. Fred, je viens à toi d'abord. Entre toi et moi, c'est autre chose que Fred, parole à toi, je t'en prie. Alors voilà, je suis content de m'être aujourd'hui. Je vais essayer de faire l'avantage des concerts des filles, parce que c'est pas évident de venir comme ça, de venir devant les gens, marcher, habiller, machin. Bien sûr, ils n'ont pas eu la tenue qu'il fallait, bien sûr, ils ne sont pas assez maquillés, mais c'est des choses qu'on peut arranger, des choses qui s'arrangent. Je pense qu'on peut faire quelque chose. On va pas l'absorber aussi comme ça, on essaie de faire ce qu'on veut, pour avoir une musique en puissance. Ok, merci Fred pour tes appréciations, si on peut dire aussi, quoi qu'elle soit un peu plus à gauche, mais quand même tu as pu rassurer les filles. Passons plutôt aux choses les plus sérieuses, en évitant cette fois-ci, sur cet asphalte, sous l'info de projecteur du Mermo, la Miss numéro 1, Kaiser. Je peux me valoriser en tant que femme africaine, en tant que beauté africaine avec mon teint charmant. Alors, j'espère bien que vous m'appréciez et merci à vous. Si je suis l'unique du Mermo, j'utiliserai mon image pour représenter le Mermo, concurrencer les autres maisons, augmenter le chiffre d'affaires et faire très bonne publicité. Merci. La situation géographique du Mermo. La situation géographique du Mermo. D'accord. Du Mermo. D'accord. Donne-moi le nom du ministre de la Communication. Une esthéticienne, c'est celle-là qui prend soin des pieds, de la femme, des mains, du visage, en fait, qui révèle la beauté de la femme encore plus beau, plus agréable à voir. C'est à peu près ça. Merci.
c'est très grave. Ne me détestez pas après, parce qu'on dit qui aime bien, châtie bien. Caroline, arrêtez de regarder Nina et Gobela. C'est super, même en français. Et c'est moi que je cherche à vous dire déjà, vous êtes belle. Toute femme est belle. Il faut juste faire un peu d'effort. Aller dans des instituts de beauté. Lorsqu'on n'a pas les moyens, on va sur Internet, on fait des recherches et on est belle. Toutes les femmes sont belles. Il faut être juste. Et pour ce faire, maintenant, je vais te libérer. Caroline Alfred, Equinox Télévision. Je vais appeler déjà Evina Zam Désiré. Evina Zam Désiré, la première nominée. La troisième, Combita Sonia. La quatrième, Montre Divine. Divine. Je ferme le local. Tu as vu ma chérie, c'est la quatrième. La septième, Agedia Sonia. Agedia. La prochaine, Josie, avant d'appeler la dernière candidate, cher public, si vous êtes content d'être au mémo, faites un grand merci. Raoul. Pas d'effet. On demande spécialement à la clientèle de faire du bruit. Cet événement s'appelle Kevin Majoie. Kevin Majoie. À la suite de Caroline Alfred, spécialement de l'émission Fashion TV. Merci Caroline Alfred, c'est plutôt un plaisir de t'avoir parmi notre membre du jury. Alors, tu dis Raoul. Oui, on va vous écouter. Let's go.
Yeah.